Bonjour, c'est la grenouille au micro. Celle qui farfouille devant les châteaux. Je parle de la pluie et du beau temps. En direct depuis la cour des grands. Dans tout leur domaine, ils sont les rois et les reines. Mots flatteurs et pluie d'éloges, je suis toujours aux premières loges pour commenter dans l'allégresse les derniers potins de ses altesses. Je ne suis pas censé tout raconter sur nos chères têtes couronnées. Aussi, je compte sur votre discrétion pour ne pas le répéter à la maison. Aucun d'eux n'était invité. À Noël, tout le monde doit s'amuser. Alors Cache-Cache a tout prévu. Le réveillon des exclus. Bienvenue chez nos amis les rois et les reines. Cette année, pour Noël, la reine Cache-Cache a décidé de faire une bonne action. Elle a convié pour le réveillon ceux qu'on invite rarement, le roi Cracra et la reine Mini-Mini. Non, je n'avais rien prévu. Oh, merci, reine Cache-Cache, je viendrai sans faute. Il faut que j'écrive ma lettre. Cher Père Noël, j'aurai besoin d'un dé à coudre pour me faire une petite poubelle de bureau. Et cette année, merci de déposer mon cadeau chez la reine Cache-Cache où je suis invitée. Comme personne ne m'écrit, j'adore lire les lettres des autres. Un réveillon chez la reine Cache-Cache. Il va y avoir du beau linge. Et donc de quoi mordre. Dites-moi, et pourquoi n'accrocheriez-vous pas ce fromage en haut du sapin à la place de cette étoile inutile? Voyons, roi Cracra, ça n'est pas une décoration de Noël. Voilà, c'est parfait. Mais qu'est-ce que vous faites? Et dans quoi voulez-vous que le Père Noël nous glisse des bonbons? Pas dans cette vieille chaussette, il sera dégoûté. C'est un être si raffiné. Ils seront certainement tous là. J'ai hâte de mordre le roi Miam Miam et la reine Bisou Bisou. Mais comment le Père Noël pourra-t-il descendre dans une cheminée allumée? C'est vrai ça, il va sûrement se brûler derrière. J'ai tout prévu. Le voilà. Je vais bientôt avoir mon cadeau. Bonsoir mes enfants, j'ai là dans ma hotte tout ce que vous m'avez commandé. Vous ne le trouvez pas un peu bizarre, ce Père Noël? J'avais peur qu'il sente trop bon, mais il a tout de même une petite odeur de marécage. Vous avez reçu ma lettre? Mais bien sûr, tu m'as demandé un dé à coudre. Vous voyez que c'est bien le Père Noël? Un peu de poivre. Et où sont passés les autres monarques? Regarde. Je n'ai convié que ceux qui ne sont jamais invités. Et c'est vrai que je vous avais oublié, roi Croc-Croc. Soyez le bienvenu. Je vais vous mordre tous les trois. Quelle horreur! Un soir de Noël. À présent, comment éviter ces royales et terrifiantes morsures? Ne craignez rien, mes amis. Lorsque notre visiteur aura réalisé que le roi Cracra sent trop mauvais pour être croqué... Que la reine Mini-Mini est bien trop rapide... Et que moi, je suis parfaitement insaisissable... Nous pourrons ouvrir tranquillement nos cadeaux. Un jour, je me vengerai. C'est vrai que contre ces trois-là, Croc-Croc ne pouvait rien. Mais entre nous,
Il pense qu'à mordre ce crocodile, faudrait lui enlever les piles ou lui faire arracher les dents par un dentiste très prudent. Longue vie au roi et aux reines, ils ont comme nous des joies de peine, mais ils ont de si beaux châteaux et aussi de gros défauts. Chantons, chantons, qu'ils soient toujours comme ils sont. Mais entre nous, tous les potins, les écomondes, c'est ma tasse de thé, c'est mon gagne-pain de jubilé en anniversaire. Je fais mes choux gras.